like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. Mais c'est fini le match? C'est sûr c'est fini le match? C'est fini? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il tire en l'air. Oh, c'est pas ça. Ah, c'est bon. Non, mais il vaut mieux que je me calme, je mets la tête dans le seau. C'est ma façon de me calmer, puisque là, je suis trop énervé. Je me calme. C'est même pas fini. Le petit tir en l'air, je sais même pas pourquoi il tire. Je comprends pas, on n'est pas au rugby. Il y en a, il tire en l'air, je comprends pas. Ah, c'est malheureux, ça. On ne sait même plus jouer au foot. On sait même pas c'est quoi le foot à Lyon. On sait même pas c'est quoi le foot. C'est quoi le foot, en fait? Bon, c'est bon, moi, je me calme. Il vaut mieux que je mette la tête comme ça. Ah, c'est mieux. C'est mieux que je me calme. C'est mieux, les amis. Il vaut mieux que je me calme. Parce que là, j'ai la tête en compote, je suis énervé. Je crois que je pète tout. Je vais tout casser. Là, c'est. Je risque de casser ma caméra, je vais tout casser, je mets là. C'est ma façon, je calme tout, je mets la tête dans le seau. Ça me calme un peu le cerveau. De toute façon, il y a de l'air qui passe, donc je respire, c'est déjà bien. Ah, c'est malheureux, c'est malheureux, là. Mais ça me dépasse. Non mais c'est même plus une équipe de foot, on ne veut plus jouer au foot. Mais laissez Marseille gagner, qu'est-ce que vous discutez? Vous forcez quoi? Vous voulez plus jouer? Ben, laissez-les gagner, ils veulent jouer Marseille. Ils veulent jouer, ben, si eux ils veulent jouer, vous les laissez jouer, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous forcez, vous faites semblant de se forcer, ben, je ne comprends pas ça, vous m'énervez. Tirez en l'air tout le temps, vous prenez les gens pour des cons. Non mais ça m'énerve. Ben voilà, c'est Marseille les meilleurs. Pour moi, c'est Marseille les meilleurs. Là, il n'y a rien à dire. Ils ont battu Paris, ils sont là dans les grands matchs. Ils ont battu Paris et nous, ils étaient à deux doigts de nous battre. C'est juste que, bon, il a fait un peu trop l'excité. Payet, si Payet, il aurait fait son match tranquillement et qu'il aurait joué tranquillement, il aurait, après avoir mis ce joli but qu'il a mis, il aurait calmé le jeu, il aurait joué tranquillement, juste l'arrache le jeu sans bousculer les joueurs de Lyon, sans faire tout ça. Marseille, ils auront gagné le match. Moi, je dis 2-1 même pour Marseille ou même 2-0. Parce que nous, on est nuls. Là, Lyon, ils n'existent plus. Entre deux pailles qui voulaient partir, qui finalement, ils ont annulé son transfert. Du coup, il reste. Alors du coup, il vient, il veut jouer. Il dit, j'ai pas envie de jouer, mais je joue quand même. Alors... Comme vous voulez quelqu'un qui n'a pas envie de jouer, qui joue quand même, il était dans le banc. On dit, ben, joue, vas-y, rentre. Et il rentre, mais il joue son jeu, mais il a la rage, il essaie de jouer, mais c'est pas la motivation qu'il a d'habitude. Hein. C'est nul. Entre deux pailles qui lui vient, il rentre, puisqu'on lui a dit de jouer, puisqu'il aime jouer au foot, alors il va jouer, mais bon. Il n'était pas dans son état normal. Lui, dans sa tête, il était dans les nuages. Il était déjà à Barcelone. Il s'est dit, bon, je vais peut-être prendre la place de Messi. Ou peut-être je vais jouer à côté de Messi et tout. Il était allé loin, lui. Lui était dans son délire, lui. Ça y est, il n'était plus à Lyon. C'était fini, Lyon. Lui, Lyon, c'était loin derrière. Il avait oublié. Et finalement, on dit, bon, on a lu le transfert. On a lu tout. Tu restes à Lyon. Comment ça, tu restes à Lyon? Comment ça, je vais jouer demain? Comment ça, je vais jouer contre Marseille? Qu'est-ce qu'il n'en a rien à foutre des matchs comme ça du championnat de France? Ça l'a saoulé. Il veut juste partir de la France et tout. Il joue là, mais il a joué, mais il n'avait pas envie de jouer. Et puis voilà, et puis les autres joueurs qui sont là, qui jouent, et les joueurs qui sont arrivés, qui jouent, puisque bon voilà, ils aiment jouer, etc. Et à voir qu'il devait même partir, même lui, il devait partir. Même lui, il veut quitter Lyon, il en a marre, il veut partir, il dit c'est bon. Même ici. Ça se trouve, c'est sa dernière année, ou même peut-être en janvier, il va partir comme Depay. Ils veulent tous partir maintenant, il n'y a plus personne, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a rien. Du coup, tout le monde veut partir, c'est ça. Mais bon, voilà, maintenant,
Lyon, c'est comme ça maintenant. C'est un peu. Ils jouent les matchs, mais ils sont nuls. Eux, leur tête, ils sont ailleurs. Ils sont dans leur paradis. Ils sont dans leur monde. L'autre, il est à Barcelone. L'autre, il est à. Où je sais plus c'est où c'est. Je sais même plus c'est où il est le club. Non, c'est bon. Non, mais arrêtez. C'est bon, arrêtez. Il vaut mieux. Non, mais moi, je pense que là, c'est mieux. Il vaut mieux. C'est un vieux maillot. Il vaut mieux que je garde ce maillot, le maillot de Lyon. Je n'ai pas prêt de le remettre pour un bon goût. Il vaut mieux mettre un vieux, même un pyjama comme ça, même, je me sens même mieux de supporter Marseille. Vous allez me dire, je suis plus lyonnais. Je me sens bien, puisque c'est bon. Là, ça commence à m'énerver. Là. On est là, c'est énervant. Et Paris, là, ils sont en train de. Il y a Rennes qui est en train de faire des conneries en haut. Tout le monde, il n'y a personne qui prend la place, en fait. Hein. En fait, en vérité, dans le championnat de France, il y a une équipe qui joue. Hein. Il n'y a personne. Bon, ça, vous le savez mieux que moi. Hein. Ça fait des années que Paris. Ils ont même leur temps. Hein. C'est comme un TGV. Ils ont le temps de démarrer tranquillement, prendre les places, doucement. Deuxième, Paris. Après, un peu troisième. Et après, bon, quand ils vont se fâcher un peu, bon, ils vont rester premiers et plus personne ne va les déranger. Rennes, ils commencent à rôder. Ils galèrent contre une équipe qui. Non. Il n'y a personne qui prend la première place. Ben, Paris, ils ont le temps. Hein. Ils ont le temps de prendre un café tranquillement. Même Marseille, ils rôdent, ils savent. Et encore, ils essaient de faire quelque chose. Marseille, c'est ça que j'aime bien. Ils essaient de faire quelque chose. Nous, Lyon, c'est laisse tomber. C'est, on n'arrive rien. Tout le monde veut partir. S'il n'y a pas de Ligue des Champions, il n'y a pas de. Ça y est, tout le monde veut partir. C'est fini. On ne joue plus là-bas. C'est fini. Lyon, quand il n'y a pas d'Europe, c'est. Tout le monde veut. Tout le monde. Ah, ça m'énerve. Je ne sais même pas pourquoi. Je discute là. Bon, on va arrêter la vidéo. Là, ça m'a énervé. Ça m'a trop énervé ce match. Ils devaient 1000 fois gagner. Ils jouent à 10 contre 11. Comment ? Non. C'est énervant. Là, ça m'énerve. Ils ratent tout ce qu'ils ont raté devant les buts. Là. C'est déconné. Là. C'est trop. Il y avait au moins 25 frappes. C'est comme s'ils n'ont pas envie de marquer, en fait. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Il tire à chaque fois qu'il tire, c'est l'autre il tire en l'air, l'autre il tire là, l'autre il... on dirait ils ont même pas envie de marquer. Je sais même pas c'est quand qu'ils vont se réveiller. Si Lyon pourrait terminer 5e, je serais quand même un peu content. C'est déjà bien de ce championnat de France. S'ils sont pas 5e, là je vous jure que là c'est sûr et certain. Je vais prendre un autre maillot. Là je commence déjà à voir si j'achète le maillot de Paris ou si je prends le nouveau maillot de Marseille. Je suis en train un peu de réfléchir un peu comme ça. C'est comme ça que ma mentalité commence à changer. Mais même si je suis lyonnais, mais si là on n'est pas 5e, on finit pas en haut de la 5e place ou même 5e, là c'est sûr et certain, la fin de la saison, vous voyez avec un maillot ou de Paris ou de Marseille. Mais je suis proche d'acheter un maillot de Marseille. Non, mais je rigole pas. Hein. Je rigole pas, je vais vraiment le faire. Je vais acheter ici, la fin de la saison, et ben, ce serait mon futur maillot, c'est le maillot de Marseille. Quand même, ce que j'aime bien à Marseille, c'est les supporters. Donc, ils encouragent bien leur équipe, même si deux fois il y a des faillites et tout. Ils sont là, voilà. Ils clashent les autres et les autres, ils font rien. Donc, voilà, ils clashent Paris, mais Paris, ils n'ont rien. Puis, voilà, c'est la seule équipe qui a l'étoile. Moi, à cette époque, j'étais petit, j'étais content. Hein. Puis voilà, là, ils ont l'étoile Marseille et personne n'arrive à avoir l'étoile de la Ligue des Champions. Et puis, voilà. Moi, je suis dépassé là. Lyon, là, défensivement, ils arrivent à essayer de faire quelque chose. Mais c'est fragile, donc les contres, mais c'est toujours fragile derrière. Mais quand le problème de Lyon, c'est qu'il faut attendre que. C'est comme s'ils attendent qu'on les boxe. Quand on leur met un bon coup, eh ben, ils se réveillent. C'est là qu'ils se réveillent, mais c'est toujours en retard. Là, ils ont pris un but, ben, ils commencent à se réveiller. Mais c'est en retard. C'est ça le problème, au lieu de foncer, d'y aller et tout. Mais là, en ce moment, c'est pas le Lyon d'habitude. C'est le lion timide, le lion qui n'a pas envie de jouer, parce que tout le monde parle. Donc là, il n'y a personne qui veut jouer. C'est ça le problème. Bon, ben moi, je vous laisse, j'ai trop discuté. C'est tout ce que c'est que, bon, félicitations à Marseille, c'est un très beau match. Vous allez rentrer à Marseille de Lyon tranquillement. J'espère qu'il ne va pas vous avoir des bastons dans la route, puisque les supporters lyonnais sont fâchés. Mais bon, voilà, moi, je vous dis, bon, félicitations à Marseille et à tous pour la prochaine vidéo. Voilà, j'ai rien à dire.